Давайте дадим отдохнуть, да. А начал работы на нас. Доложите генералу. Picture you getting down in a prison too, like you lit the fuse. You think it's physical, maybe physical, maybe spiritual. Hero who appears in you, the king of you when you're too crazy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. Savoir en quoi tu te déguises ce soir. Mickey, ton téléphone. Vite, tu n'as encore rien écrit. Tu veux redoubler comme Casadio? Ouais, moi je détiens le record du redoublement. Madame la directrice. Bonjour, le lieutenant souhaiterait s'entretenir avec vos élèves. Asseyez-vous. Bonjour, jeunes gens. Je serai brève. Peut-être que l'un d'entre vous peut me dire où se trouve Martino Breccia? Il est arrivé quoi à Breccia? Il est mort, trop de branlette. Martino a disparu depuis 2 jours. Quand sa maman est allée le réveiller avant-hier matin, il n'était pas dans sa chambre. Son lit n'avait pas été défait. Si par hasard vous entrez en contact avec lui, dites-lui qu'il doit rentrer. Ok. Bonne chance pour l'interro. Lieutenant, t'avais oublié ton goûter, tiens. Merci, maman. Dites au revoir au lieutenant. Au revoir, lieutenant. Au revoir. Allez, on se dépêche de terminer. Madame! Attends, écoute, je crois que je l'entends pleurnicher. Mickey, le grand méchant loup va t'attraper. Regarde dans ses baskets. Burk, sa schlingue. Rends-les-moi, j'en ai besoin. Si on te les rend pas, tu fais quoi? Tu vas prévenir ta maman? Ou tu vas pleurer chez papa? Mais je dis n'importe quoi. C'est vrai que toi, t'as pas de papa. Je te rappelle que ton père à toi, il est en tôle. Grosse abruti. T'es mal renseigné, il est sorti hier.
et je suis pas un abruti. Lève-toi. Je te donne 10 secondes d'avance. Je suis trop gentil avec toi. S'il te plaît, c'est pas 10, cool. 9, 8. Mission réussie, cible abattue. C'était trop facile. Hé, hey Brando, t'as marché dans une merde de chien, on dirait. Maman, Mickey est là. Attention à Amanda. Candela, arrête, s'il te plaît. Bonjour. Hola, Mickey. Il y a de la lasagne aujourd'hui. Cuisiné par qui? Ton maman. J'ai pas faim. Qu'est-ce que tu fais? Candela, sors de ma chambre. Je comprends pas le langage des humains. Touche pas, remets-le à sa place. Je trouve qu'il y a un truc bizarre quand même. Quand Superman porte des lunettes, personne ne le reconnaît. Ça sert à quoi, ça? Attention! Superman! Et ce lit, alors, il est pour qui? C'est pour mes amis. Tes amis, tu dis? Quels amis? Hey, c'est pas conseillé de les toucher. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais un déguisement de super-héros, mais j'ai que ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Xing Chao, un super-héros chinois, très connu. Il est un peu... Il manque la cape. Il a quoi comme pouvoir? Tu le sauras bientôt. Salut. Bon, ben alors voilà, je vous envoie cette vidéo pour vous dire que j'ai fugué. Parce que je m'ennuyais et que j'en avais assez. Vous inquiétez pas. Je pars pas très longtemps. Martino Breccia a envoyé cette vidéo à ses parents il y a 2 heures. Mais elle a été tournée où, cette vidéo? On dirait les toilettes d'une gare. Tu entends le haut-parleur? Il faut absolument savoir ce qu'il raconte. Ce gamin rondouillard est un petit génie à l'école. Il devait participer aux Olympiades de mathématiques. Alors pourquoi il s'enfuit 2 jours avant le début des épreuves? Ça tient pas debout. Non, je crois pas que l'image paternelle lui manque tant que ça. Et on dit pas vieille fille, on dit célibataire, maman. Bon, je te rappelle demain. Mickey, t'es pas à la fête de la petite Stella? Non, j'irai pas. J'ai l'air d'un bouffon. Comment ça, d'un bouffon? 50 euros? Qu'est-ce que c'est? Un super-héros. Chinois. C'est vraiment très original, tu sais. Lève-toi, que je vois de quoi t'as l'air. Lève la tête. T'es super élégant. Ça me gratte. Le métier de super-héros, c'est pas facile tous les jours. Survoler la ville dans tous les sens, sauver la veuve et comme papa. Oui, plus ou moins. Ton père était policier, comme moi. Mais est-ce qu'il a sauvé beaucoup de personnes?
Allez, va vite à la fête. Stella sera déçue si tu n'y vas pas. Ne m'attends pas, je rentrerai tard. Little girls and boys, licks and rocks in place of toys, create panic and gather noise. We'll trick or treat, walking down on your street, you should better give us your kicks and sweets. Well, we'll sing the song and at last night says all my bones. Bonsoir. Marie-Antoinette, après la guillotine. Silency, on peut savoir en quoi t'es déguisée? En grosse diarrhée? En super-héros. Chinois. Chinois? C'est vrai? Tu sais que j'ai déjà été en Chine. Et comment c'était? Bah en fait j'avais 4 ans et je me souviens plus trop et j'y suis restée seulement un an. T'es ici pour longtemps? Je sais pas, on vient d'arriver. Mais j'aimerais bien rester. C'est chouette ici et il y a la mer. Venez tous voir! On a un truc intéressant à vous montrer! Qu'est-ce que c'est? Qui m'a filmé? Je crois que c'est lui. C'était dans son téléphone. On l'a pris dans le tiroir du professeur. C'est vrai ce qu'il dit. Ah! Tu veux jouer avec nous? Mickey! Stupide déguisement chinois. C'est quoi ton super pouvoir? Fais-moi disparaître, je peux devenir invisible. Mario. Mickey, tu es prêt? Allez, voyou, tu vas encore être en retard. Mickey? Mais qu'est-ce que tu fais sous le lit? Mario. Allez, sors de là. Sors de là, je te dis, allez. Vite, obéis, sors de là. Allez, viens, tu ne restes pas là-dessous. Mario? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de ce monstre-là, c'est ça? C'est juste un dessin.
Allez, viens, on descend. Allô? Maman, je peux pas te parler, je suis en classe. Je t'appelle tout à l'heure, ok? Ouais, salut. Et je fais quoi maintenant? Je suis un monstre. Je suis un monstre. Travail. Alors, voici une série de nouveaux problèmes que vous allez devoir résoudre en moins de 20 minutes. Ils sont faciles. Fermez ce voyou. Je comprends que vous soyez en colère, Madame Siani, mais je vous rappelle que le père de Casadillo vient de sortir de prison. Parfait. Qu'on y mette son fils à sa place. Quelque chose sur le terrain. Tu vas rentrer à pied. Ça te laissera du temps pour réfléchir.
jouer avec moi. Ah, au secours! Je te jure, papa, c'était pas moi. Monte! Je vais te mettre ta raclée à la maison. On se dépêche, les filles! Hop, 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 hop! Allez vous doucher! Hop, 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 hop! J'espère que tu peux m'expliquer ce qui t'arrive, parce que je t'avoue que je comprends pas. C'est un miracle qu'on t'ait pas renvoyé. Mickey, tu sais, les filles n'aiment pas qu'on brûle les étapes. Se mettre tout nu, c'est ce qu'on fait en tout dernier, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? Pour rien. Oh. Pour le dîner, poulet grillé, patates rissolées, ça te va? Non, je veux rien, j'ai pas faim. Moi non plus. On se tape une bonne bière. Hein? Maman? Non, rien. Hé! Oh. Mets la tête en arrière. Oui, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu dis? J'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. Brando Volpi a disparu. Vous vous sentez mal dans votre peau? Vous êtes seul au monde. Vous avez l'impression d'être devenu invisible aux yeux de vos parents. Aux yeux de certains de vos amis aussi. Mais rassurez-vous, parce que ce qui vous arrive est tout à fait normal. Il n'y a absolument rien qui va de travers chez vous. Toutes vos peurs, toutes vos mélancolies, sont des sentiments très importants, je dirais même très utiles. Apprenez à les comprendre. Ce docteur Basili que vous avez devant vous aujourd'hui, d'ailleurs appelez-moi Giorgio, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il est venu nous raconter? Que vient faire un psychologue de la police dans l'école? Je vais vous le dire tout de suite, c'est très simple. Je suis ici pour vous aider à faire le point sur vous-même, pour vous aider à y voir plus clair. Par exemple, avant de partir, votre camarade Brando a écrit quelques lignes à ses parents qui, en gros, disaient « J'ai besoin de rester seul, ne me cherchez pas ». Martino avait écrit la même chose à ses parents. Alors, à votre avis, pourquoi ont-ils fugué? Moi aussi, j'ai eu 13 ans. Et je me souviens, c'est un âge terrifiant. Tu as des boutons, la voix qui mue. Tu n'es plus un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte. Moi, je me suis enfui de chez moi 3 fois quand j'étais au collège. Ma pauvre mère s'est fait des cheveux blancs à cause de moi. Pourtant, me voici aujourd'hui devant vous. D'après vous, est-ce qu'il faut une bonne raison pour avoir envie de s'enfuir? Ou ça peut arriver juste comme ça? Juste pour tenter l'expérience? T'en penses quoi, toi? Lui, par exemple, il a sûrement une bonne raison pour fuir comme il le fait. Mais les araignées, elles crachent leur fil par la bouche. Alors pourquoi Spider-Man, il les lance par les poignets? Candela, va en bas. Pourquoi faire? Ta maman t'appelle, dépêche-toi. Je sais que c'est pas vrai. Candela, descends, je te dis. Bon, je peux passer alors? Salut. Salut.
S'il te plaît, ne dis rien à personne, je vais t'expliquer. Non, c'est rien! Tout va bien! Je vais enlever ma main, mais tu jures que tu vas pas crier. J'ai rien senti quand j'ai mis ce déguisement. Rien de bizarre. À part que le tissu gratte un peu. Mais ça, c'est parce que c'est de l'acrylique et que je supporte pas. Bref, peut-être que son pouvoir est entré dans ma peau pendant que je dormais. T'as essayé de te laver? Peut-être que ça va partir. Tu parles? Peut-être que c'est un pyjama magique. Si tu le mets le soir avant d'aller dormir, eh ben le matin, quand tu te réveilles, t'es devenu invisible. Un pyjama magique? C'est vrai que... ça ressemble à un pyjama. Si ça se trouve, plus tu le portes longtemps, plus tu vas rester invisible longtemps. Mais tu sais quand est-ce que tu vas redevenir normal? J'en sais rien, Candela, j'en sais rien. T'es un super héros, Mickey. Sans blague. T'es le garçon invisible. Tu dois sauver toutes les personnes qui sont en danger. Qui veux-tu que je sauve? Je suis un raté. Martino Breccia, un adolescent en surpoids, très sensible, qui, avec la perspective des Olympiades de mathématiques, subit trop de pression et décide de s'enfuir. Ensuite, Brando Volpi, un jeune champion de tennis humilié pendant la finale devant un père tyrannique et exigeant, qui, comme par hasard, juste après sa défaite, disparaît lui aussi. Ah, ah, alors selon vous, ces disparitions sont... volontaires? Oui, mais ce n'est pas moi qui vous le dis. Il y a des preuves, une vidéo de Martino Breccia et un message écrit par le petit Volpi. Ça ne laisse pas de place au doute, il me semble. Peut-être, mais alors pourquoi vous a-t-on envoyé ici? Mon rôle est de maintenir le calme parmi la population. Le pire serait qu'une psychose générale s'installe dans toute la ville. Donc, je vais vous dire, pour l'instant, notre priorité, c'est de rassurer les habitants de cette ville. Nous sommes d'accord. Mickey! Mickey, t'es à la maison? Mickey? T'es dans ta chambre? Mickey. C'est pas vrai. J'ai dû lui dire 100 fois de ranger sa chambre. Il n'apprendra jamais. Allô? Bonjour, maman. Mais non, je ne travaille pas trop. Ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est pas seulement à cause de ça. Non, maman, je suis pas en train de fumer. Tu sais bien que j'ai arrêté il y a 12 ans quand Mickey est arrivé. Mickey m'inquiète en ce moment. J'en sais rien, il est nerveux, il a des réactions imprévisibles, il se rebelle. Hier, il s'est mal comporté à l'école. Et là, je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Il n'est pas rentré, il m'a pas pris... Mais c'est normal qu'il me prévienne, non? Dis, maman, je voulais te demander... Tu penses que Mickey pourrait instinctivement... sentir qu'il a été adopté? Chut. Attends. Mickey, c'est toi? Non, c'est rien. J'ai cru entendre du bruit.
Qui es-tu? Un fantôme? Un ange? Ou ce n'est que le vent? Alors c'est toi ça? On voit qu'il va le plus haut. On peut être amis tous les deux. J'ai très peu d'amis, tu sais. Ma mère dit que je ne dois pas faire confiance aux inconnus que je croise, mais avec toi, c'est différent. Et toi, t'as une maman? Non. Tu veux un bonbon? C'est le dernier. Est-ce que tu peux manger? Tu n'as pas peur de moi? Non. Oh zut, il faut que j'aille à mon entraînement. On va se revoir, d'accord? Façon de parler. À bientôt. À bientôt. Salut. Stella, excuse-moi, je suis désolée pour ce qui s'est passé à ta fête. T'inquiète, ça fait rien. Person dead from such is plenty. No need to go get locked away. When I leave your arms, the things that I think of. No need to get over alarmed. I'm coming home. T'es rentré là? Oui. C'est malin, tu m'as fait peur. I wonder which brother is better. T'es où? Which one our parents love the most? T'es bien enrhumé, on dirait. Tu as froid? Un peu. Stella, on part pour le gymnase. Qu'est-ce que tu fais avec cette couverture? J'ai un petit peu froid. Allez, prépare-toi. Elle frappe jamais avant d'entrer. Je savais que tu allais revenir. Est-ce que tu existes vraiment? Ben, je crois, oui. Si je ferme les yeux, je te vois. Non. Je peux essayer de venir plus près de toi. Peut-être. Encore plus près. Make sure my sister knows I loved her. Make sure my mother knows the same. Always remember there was nothing worth sharing like the love of man. Je dois partir. Attends, dis-moi comment tu t'appelles. Tu dois lui dire la vérité. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui dire la vérité.
Il faut que tu travailles la fin de l'enchaînement. Et puis, tu dois te débarrasser de ta peur du vide. Continue sans moi. Je vais boire un café. Tu veux que je te ramène quelque chose? Non, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, j'emmène Mario faire pipi. Ça va pas, non, je peux pas dire pipi. Je promène mon chien. Oh, quelle coïncidence! Je viens toujours le promener par ici. Tu veux que je t'accompagne jusque chez toi? Je te raccompagne chez toi. Stella! Stella! Arrêtez! Stella! Laissez-la! Lâchez-la! Elle était sous votre responsabilité. J'ai bu mon café et je suis revenue. Je ne veux personne dans le gymnase. On attend l'équipe sortie. Oui. Ça va? T'es pas blessée? Je suis nulle, j'ai rien pu faire. Oh. T'en as trop fait, selon moi. Et t'es pas nulle. Il a juste une petite fracture. Une nuit chez le vétérinaire et demain, on récupère un petit chien tout neuf. Il a été courageux. Il lui a mordu le poignet. Il voulait pas le lâcher. Mais t'inquiète pas, on va la retrouver, ton amie. D'accord? Toi, il faut que tu te reposes. Je m'en occupe. Nous sommes tes amis, Stella. Je m'en allais arrêter. Tu rentreras bientôt chez toi, petite. Résultat d'analyse непонятные. Mais il faut d'abord que tu répondes à quelques-unes de nos questions. Tu dois sauver Stella. Tu dois sauver Stella. Qu'est-ce que tu dis? T'as parlé dans ton sommeil. Je dois sauver Stella. Je dois sauver Stella. Où tu vas? Non, non, non. Tu cherches quelque chose? Mon déguisement. Où il est passé? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je l'ai. Oh non, il a rétréci. Tu crois qu'il marche encore? Si je peux pas l'enfiler, je le saurai jamais. J'ai froid. Je dois encore attendre combien de temps?
Peut-être qu'il fonctionne que sur toi. Mickey, je suis rentrée. Oui. Et je vais te répondre, mais laisse-moi parler. Attends, écoute, je te rappelle. Ah, t'es réveillée? Oh, je suis morte, j'ai bossé toute la nuit. C'est toi qui as lavé mon déguisement? Oui, il pue le fauve. Maintenant, il est foutu. Mais non, donne-le-moi, je vais le réparer. Il n'est pas foutu. Non, on peut pas le réparer. Je te déteste. Mickey, no se habla así a tu madre. C'est pas ma mère. Je le sais, t'es pas ma mère. Alors, vous n'aviez pas fugué tous les deux? Le déguisement n'a aucune importance. Oui, tu m'as déjà vu. Non. Ce n'est pas moi qui ai enlevé ton ami. Mais comment tu peux lire dans mes pensées? Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Andrei. Je suis ton père. Mon père est mort. Il était policier. C'était un héros. Ça, c'est ce qu'on t'a raconté. Comment imagines-tu la Russie? La Russie? C'est de là que je viens. Je menais une vie normale. J'avais une famille, des amis. Et puis tout a changé du jour au lendemain. Il y a eu une catastrophe nucléaire. Beaucoup de gens sont morts à cause des radiations. D'autres sont tombés malades. Le temps a passé, et d'autres encore ont subi des changements dans leur métabolisme. Une mutation de leur ADN s'est produite. On les a appelés les spéciaux. Grâce aux radiations, ils avaient de nouveaux pouvoirs. Et les spéciaux ont suscité l'intérêt d'un groupe paramilitaire dirigé par un général nostalgique de la guerre froide. Ce groupe se nomme la Division. Ils nous ont enfermés dans un centre, quelque part en Sibérie. Nous leur avons servi de cobayes pendant très longtemps. Percer le mystère de nos pouvoirs pour nous utiliser comme des armes. Imagine une armée invincible. C'est l'arme parfaite. Non, déjà. Heureusement, non, on y vit. J'étais un de leurs spécimens préférés.
le seul capable de lire dans les pensées. Mais comme tous les autres, plus j'utilisais mon pouvoir, plus mon corps s'affaiblissait. Beaucoup d'entre nous tombèrent malades. Moi, je commençais à perdre la vue. Nos pouvoirs ont un côté obscur. Un jour, tu t'en apercevras, toi aussi. Mais il y avait un autre problème, beaucoup plus contrariant pour la division. Tous les spéciaux étaient stériles. Tous, sauf moi et ta mère. Je me souviens du jour où elle est arrivée. Yelena. J'ai pu lire dans ses pensées la même peur que la mienne. Mais j'ai vu autre chose aussi. Je lui plaisais. Et puis, tu es venu au monde. Le fils de deux spéciaux. Ta naissance a fait l'effet d'un raz-de-marée dans la division. Et nous savions qu'ils allaient nous séparer de toi. Alors, ta mère et moi avons pris une décision. Ta mère s'est sacrifiée pour te sauver, et tu as hérité de son pouvoir. Yelena. Yenotchka. On a voyagé ensemble dans toute l'Europe. J'effaçais toujours toute trace de notre passage. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, ils allaient nous retrouver. Alors j'ai choisi un endroit tranquille, où tu pourrais grandir en sécurité. Je t'ai laissé devant la porte de Giovanna. Elle venait d'emménager dans cette ville. J'ai pu voir dans ses pensées qu'elle était quelqu'un de bien et que son souhait le plus cher était d'avoir un enfant. J'ai vu qu'elle t'aimerait. Elle t'a fait faire de nouveaux papiers. Pour elle, c'était facile, elle était lieutenant de police. C'est ainsi qu'officiellement, elle est devenue ta mère. Non.
n'ait pas ses pensées négatives à son sujet. Ne me dis pas quoi penser. J'en ai marre que tu fouilles dans ma tête, arrête. Désolé, mais c'est impossible. Et tu lis dans les pensées de tout le monde? De tous ceux qui sont à une certaine distance. Comme ce pêcheur qui est là. Il est en train de penser qu'il ferait peut-être mieux d'appeler la police. Avec toutes ces disparitions d'enfants, il est méfiant. Il va bientôt prendre sa décision, il nous reste peu de temps. Il n'est pas encore rentré? Oui, Anna Maria. S'il rentre, préviens-moi tout de suite. Giovanna, tout va bien? Non, ça ne va pas bien. On aurait dû alerter la population. Je sentais que ces enfants n'avaient pas fugué. J'aurais dû suivre mon instinct au lieu de... Au lieu d'écouter mes conseils. Il y a autre chose qui te tracasse. Je parle aux policiers ou aux psychologues? Tu parles à un ami sincère. Aujourd'hui, Mickey m'a dit que je n'étais pas sa mère. Et pourquoi ça? Parce que c'est vrai. Ah. Je n'étais pas au courant. Personne n'est au courant. J'ignore comment lui l'a appris. Je peux te faire confiance. Tu sais bien que oui, Giovanna. On a du nouveau. On a reçu un appel. Attends, j'ai jamais eu de pouvoir. C'est le déguisement qui faisait tout. Il a débloqué quelque chose dans ton esprit. Mais ça serait arrivé un jour. Tu grandis, tu es en train de changer. D'ailleurs, tu n'aurais pas saigné du nez dernièrement? Si. C'est la preuve que ce déguisement n'a rien d'exceptionnel. Le pouvoir est en toi. Mais je suis incapable de le contrôler. Tu apprendras vite, tu verras. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai effacé sa mémoire. Il ne se souviendra pas de nous. Voilà ce qui arrive quand on se balade tout nu en plein hiver. Ta mère avait le même problème. Et puis un jour, ils lui ont fabriqué ceci. C'est quoi? Le tissu de cette combinaison réagit au contact de la peau. Quand tu deviens invisible, la combinaison disparaît elle aussi. Porte-la sous tes vêtements. Elle appartenait à ta mère, c'est un cadeau de sa part. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole des spéciaux. En russe, c'est la lettre S. Maintenant, écoute-moi bien. La division sait que tu vis dans cette ville. Tu dois t'enfuir. Je saurai toujours où te retrouver. Nos deux esprits ont toujours été en contact. Ils sont reliés depuis ta naissance. C'est insensé. Il n'a aucun souvenir d'avoir vu un homme ou un petit garçon. Il se souvient même pas de nous avoir appelés. Qu'est-ce que tu faisais ici? Rien du tout. Mais bien sûr, tu n'as rien vu. Ne me fais plus le coup de disparaître. Tu as compris? Plus jamais. Je vais aller chercher Mario chez le vétérinaire. Et toi, tu rentres, d'accord? Et tout à l'heure, on va parler tous les deux. Tu veux bien? Je le raccompagne, si tu veux. Ah, oui, c'est gentil, ça me rendrait service. Ils m'ont demandé si ça faisait longtemps que j'avais développé un don pour la gymnastique. Et si je savais faire autre chose. Comme quoi, j'ai demandé. Mais ils n'ont pas répondu. Moi, ils m'ont demandé... Quelle est la racine carrée de 131 071? C'est une question idiote. Il n'a pas de racine carrée, c'est un nombre premier. Avec moi, ils sont intéressés au tennis. C'est peut-être des extraterrestres qui auraient pris une apparence humaine. Peut-être qu'ils peuvent lire dans nos pensées. Peut-être qu'ils le font en ce moment, à distance. Faites-le vite dans votre tête, pensez à rien. On en a marre de t'entendre, Olar. Je suis pas gros, j'ai un métabolisme paresseux. Ils se sont renseignés sur nous. Ils savent que Brando est un champion de tennis, que toi t'es joufflu comme un gros lard. Brando. Que t'es un champion en mathématiques.
Et toi, t'es très douée en gymnastique. Oui. Alors peut-être qu'ils cherchent des jeunes qui ont du talent pour quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Leur fausser compagnie. Je vais préparer du thé, tu en veux? Bien. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Je vous ai pas entendu. Le thé est prêt, tu viens? Ta mère voudrait sûrement que tu prennes ton goûter, non? Ah oui. Je sais, tu es à un âge difficile. C'est une période de grand bouleversement. Une période où l'on découvre tout le potentiel qui est en nous. Prends un biscuit, Eric. Et toi, dis-moi, sais-tu déjà quel est ton potentiel? As-tu appris à le reconnaître? Je vais aux toilettes. J'ai tout fermé à clé. On ne sait jamais. Avec tous ces kidnappeurs d'enfants qui se promènent en ville. On n'est jamais trop prudent. Attention, si tu appelles la police, tes amis sont morts. Je ne te ferai pas de mal, je te le promets. Tu as le même don que ta mère. On te cherche depuis tellement longtemps. Combien de temps peux-tu rester invisible? Tu sens une douleur quand tu utilises ton pouvoir? Tu as des nausées, des maux de tête?
vas encore apprendre à viser, jeune Andreevich. Oh, mais tu as déjà une grande maîtrise de ton talent. Avec nous, tu deviendras plus fort. Tu n'as plus rien à faire chez ces gens. Personne ici ne te comprend. Ce monde n'est pas fait pour toi, jeune Andreevich. Tout le monde va penser que tu es un monstre. Alors qu'en réalité, tu es exceptionnel. Tu es un spécial. Très bonne idée. Mais c'est raté. Démarre! Hein? Mais... Démarre vite! Ce type est dangereux! Jeune Andreevich! Roule, je te dis, c'est un ordre! Ok! Maintenant, tu vas me dire qui tu es! Hein? Attends! Pas question! Obéir à un type sans visage! Yvon, arrête! T'as fini? Silence? Mickey? Aïe! Tu pourrais pas essayer d'être un peu plus délicat, non? Silence, gros lard! Chut! Taisez-vous! Oh. Ah. Tu me chatouilles! Chut! Oh. 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 Quoi? Qu'est-ce que t'as? Il y a un rat énorme! On devrait abandonner! Vite, j'en peux plus! Ты мне пачку должен. J'ai été voir des tas de psychologues, mais jamais un comme celui-là. C'est pas un psychologue, c'est un espion russe. Je te l'ai déjà dit. C'est lui qui a kidnappé Brando et Stella. Un psychologue qui enlève des enfants? C'est pas un psychologue. Ah, c'est pas un psychologue. Alors dis-le. Je m'en doutais bien. Mais toi, pourquoi t'as vu tous ces psychologues? Des psychologues? T'as dit que t'as été en voir. Ah oui, c'est vrai, c'est pour le TDA. Qu'est-ce que c'est? Trouble du déficit de l'attention. Il paraît que je l'ai. Ah, et toi, tu y crois? Je crois quoi? Et que tu l'as? De quoi? Rien, laisse tomber. Alors, c'est ce sale type qui a kidnappé Brando, c'est ça? Et Martino aussi, et Stella. Et aussi Brando? Oui, et aussi Brando. C'est quoi? On vient toujours ici pour nos parties de paintball et ce petit bijou, c'est une tuerie. Kingman Etec 4, finition métal, dernier modèle. Il atteint une cible à 300 mètres. Yvan, ces gens-là ont des vraies armes.
Tu dois te débarrasser de ta peur du vide. Dire où ils sont. Moi, j'aurais trouvé un moyen. Lequel? J'aurais envoyé un signal ou un truc du genre. Ouais, génial. Yvon, tu sais que t'es un vrai génie? C'est pas eux qui l'ont éteint. Et qui alors? Rien, oublie. Allez, on y va. Attends une minute. C'est bon, on y va. Сделай контроль по всей территории. Давай! Все на борт! Все на борт! Делайте проверку! О, мерд! Что происходит? У нас проблема со системой безопасности. Николай контролирует. Ничего серьезного. Андрей, я знаю, что ты придешь. Это та женщина. И они тоже в поиске мальчика. Отмени медиак, девчонка.
Идите внутрь, немедленно. Миша, что случилось? Ouvre la cellule. Venez, sortez. Entrez là-dedans, vous deux. Plus vite. Ils nous ont fait prendre de la drogue, j'hallucine. Méga puissant. J'y crois pas. Silenzi. Alors c'était toi. J'espère que tu n'es pas trop déçue. Je voudrais pas vous déranger, mais qu'est-ce que vous diriez de continuer cette conversation ailleurs qu'ici? Suivez-moi. Attends, Mickey. Il y a un autre prisonnier, on peut pas partir sans lui. Mais ça va pas, non? Moi je me tire. Un vieil homme. Je l'ai vu quand j'ai essayé de m'enfuir. Il est leur prisonnier, lui aussi. Ok, Brando. Partez tous les trois. Je reste avec toi. Non. Tu ne sais pas où il est. Tu as besoin de moi pour le trouver. Réfléchis. Suis-moi. C'est par ici. On ne peut pas l'ouvrir. Essayons quand même. Tu vois? Tiens-moi ça. Arrête-toi. Attends une seconde. Ce garçon sait où est Mickey. Viens, avance, je sais que c'est par ici. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Je crois qu'on peut sortir par ici. La porte est bloquée. Montre-toi, Andreevich. Stella, pourquoi? Je ne suis pas Stella. Comment ça? Stella! On m'appelle par mon surnom. La griffe. Quand mon cerveau attrape celui de quelqu'un d'autre, il n'y a aucun effet secondaire. Ou tout au plus, une légère migraine passagère. Ah, tu perds ton temps, Mickey. Chez toi, tu m'as fait courir et tu as pu t'échapper. Mais ici, c'est différent. Tu ne réussiras pas à sortir. Vous dites n'importe quoi. Vous n'êtes jamais venu chez moi. Oh si, j'y étais. J'étais Basile. Je vais préparer du thé. Tu en veux? Tout comme je suis devenu ton ami, Stella. À tu diminuer, Cameron. Tu es comme moi, Mickey. Nous faisons partie des spéciaux tous les deux. Je ne suis pas comme vous. Закройте. Давай, давай. Защищай командира. Ещё, блядь. Где? Где? Уйди.
Ça suffit maintenant. Autrement, c'est ton ami qui va en subir les conséquences. Basili ? Mais tu en es sûr ? Sûr et certain, c'est Mickey qui me l'a dit. J'arrive pas à y croire. Les gardes sont plus là. Tant mieux, on y va. Отправляемся. Принято. Pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment tout à coup. Вина? Есть. Giovanna, no! Стабилизируемся на глубине 20. Mickey n'est plus ici. Ça va exploser. Partons en voyage. Enfin, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Bientôt, tu me remercieras. Tu vas revoir ta mère, tu pourras même l'embrasser si tu veux. C'est pas vrai. Elle est morte, c'est vous qui l'avez tuée. Non, non. Ce sont eux, les normaux, qui lui ont fait du mal. Mais ils ne l'ont pas tuée. À présent, la division nous appartient. De te retrouver. Ne restez pas là, reculez. À présent, nous allons installer ton amie Stella dans la capsule de sauvetage et nous allons la renvoyer saine et sauve à la surface. Vous allez bien? Et Mickey, Stella? Ils sont toujours là-dedans, ils voulaient sauver quelqu'un. Allez, filez d'ici, dépêchez-vous. Vite, tout va sauter. Dis-moi où est mon fils. Mais j'en sais rien. Je me suis réveillé là-dedans. Je me souviens plus de rien. Tu mens. Dis-moi où il est. Je ne mens pas, c'est trop noir. Je ne sais même pas comment je me suis blessé au poignet. Et je ne trouve plus mes lunettes. Giovanna, ne restons pas là. De toute façon, Mickey n'est plus ici. Il te dit la vérité. À gauche. Escalier. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ne restez pas là. Courez. Mickey. Tu vaux mieux que ça, tu n'as rien à faire avec ces gens normaux et leur petite fille normale, grise
Ils passent leur temps à vouloir redresser tout ce qui est courbe. Et en plus, ils font des tas de marmots qui, une fois adultes, feront les mêmes erreurs que leurs parents. Les spéciaux sont ta vraie famille. C'est ton destin, Andreevich. Tu sais. Ma mère est morte. Stella, comment ça marche ce truc? Tout est écrit en russe. Essayons ce bouton. Et si c'est pas le bon? Tu veux bien nous montrer encore une fois comment tu fais? C'est sûrement une illusion d'optique, comme un mirage. Je n'ai pas d'autre explication. Messieurs, dames, cela ne fait plus aucun doute. À partir d'aujourd'hui, notre ville aussi a son super-héros. Oui, mais je suis désolé de devoir te dire que ça n'existe pas, les super-héros. Tout le monde sait cela. À votre place, je me tairai. Vous n'êtes pas en position de parler. Mais qu'est-ce que vous racontez? Laissez-le, il est innocent. Ah, voilà, le petit le sait, lui. Je suis innocent. Excuse-moi un instant. Je sais ce que tu veux faire. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde sait que tu es spécial. Et justement? Tu risques ta vie en permanence. Ça m'est égal. Pas à moi. Je ne veux pas que tu aies la même vie que moi. Non, pas question. Pas question que tout redevienne comme avant. Mon pouvoir va disparaître? Non, il ne peut pas disparaître. Il fait partie de toi et tu apprendras à l'utiliser. Et toi? Tu t'en vas? Je me manifesterai dès que tu auras besoin de moi. Mais ils étaient à ma recherche. Alors pourquoi ils ont enlevé Stella? Ça n'a plus aucune importance. Une seule chose compte à présent. Ils doivent tous oublier ce qui s'est passé cette nuit. Donne-moi juste une minute, papa. Mickey, je me demandais où tu étais. Je ne sais plus où j'en suis cette nuit. Il m'est arrivé l'aventure la plus extraordinaire de ma vie. Moi, c'est pareil. Qu'il y a? Stella. Tu ne te souviendras pas de moi. C'est impossible. Va retrouver les autres. Je te rejoins.
Comment ça, vous avez tout oublié? Je vous jure que c'est vrai. Tout est confus, c'est étrange. Alors expliquez-moi cette amnésie collective. Vous êtes psychologue. Je suis désolé, monsieur le préfet, mais moi non plus, je n'y comprends rien. C'est comme si j'avais été possédé par une sorte de force extraterrestre. Est-ce que vous êtes, oui ou non, monté à bord de ce bateau? Oui, je pense que oui. Et c'est vous qui avez libéré les enfants? Oui, sûrement, mais j'avoue que je ne sais pas trop comment j'ai fait mon compte. Alors retirez-en tout le mérite et on n'en parle plus. On clôt l'affaire une bonne fois pour toutes, bon sang. Félicitations. Merci. Et c'est donc grâce au lieutenant de police Giovanna Silenzi que les enfants disparus ont été retrouvés. Un dénouement heureux, malgré de nombreuses zones d'ombre sur la manière exacte utilisée par la police pour sauver les trois adolescents. Non, c'est pas vrai. Les journaux en parlent aussi. Ton maman est une héroïne, tu sais. On est tous sains et saufs, c'est le principal, non? Merci, maman, merci. Ma mère m'a dit qu'elle était fière de moi, c'est la première fois. Je suis la seule à savoir que c'était toi. Chut! Hé, hey, mais dis voir un peu, petit voyou. Tu sais que je t'emmène manger une pizza ce soir. Tu le mérites bien après cet exploit. Quoi? Tu as eu 16 à ton interro de maths, c'est super. Comment t'as fait? T'as copié? Non! Si, t'as copié, j'en suis sûre. Non! Si. Non! Si. Non! Je le lis dans tes yeux. Ça va, t'as raison. Salut! Salut. T'es super forte. Tu les as sauvés. Je te l'avais promis. Salut. Maman. Désolé, je t'avais pas vu. C'est un autre premier. Il n'a pas de racine carrée. Salut. Salut. Alors, on va voir. Alors, t'es content, on est enfin de retour. Yvan, en réalité, tu n'es pas idiot. Tu as juste un trouble de l'attention. Mais c'est pas grave, ça peut se soigner, tu sais. Et toi, au lieu de t'en prendre à tout le monde comme tu le fais, passe ta colère sur ton père. Quoi? Vous voulez me frapper? Vous gênez pas. Bon, alors, si vous permettez. Stella? Salut. Pourquoi tu restes pas à la fête? J'ai pas vraiment envie de faire la fête après tout ce qui s'est passé. Alors, à bientôt. T'es toujours enrhumé, on dirait. Si tu veux, on rentre ensemble. D'accord. Je stresse un peu pour l'interro de maths demain. Pas toi? Non, moi j'ai un truc. Un truc? Ouais, c'est un peu bizarre. Ah ouais? C'est pas très compliqué en fait. Il faudra que je t'explique un jour. Explique-moi tout de suite. Ben disons qu'une démonstration serait plus facile qu'une longue explication. Général, la mission a échoué. Le spécial Andreevich nous a échappé. Chut, chut, chut.
nous avons enfin découvert où se trouvait la jeune Natacha. Elle se cache au Maroc. C'est une excellente nouvelle. Phil. Oui, général. Natacha. Ne pleure pas, mon bébé. Nous sommes enfin libres. Oh my goodness, an invisible boy. When my heart changes, others will see a child with a toy. They look so scared, they look so sad, and I disappear. I'm so full of fears, oh my goodness, I'm the invisible boy. New goodness, an invisible boy. While my heart changes, I will see a child with a toy. They look so scared, they look so sad, and I disappear. I'm so full of fears, oh my goodness, I'm the invisible boy. Changing for burning my last opportunity, dancing to the white wind, twisting with my hands are real. This kind of folk song, next to the sun, I'm your invisible boy. From you, from
nothing. But I found another match. She says we'll make it so long as I don't break it. But I'd give it all up just to hear you say that you love me. And I think I heard your voice, but I never heard nothing. I never heard nothing. And I think I heard you speak, but I never heard nothing. I never heard nothing. And I'm waiting for the day you to say something, to say something. And I'm gonna start to pray that you'll say something, just say something.